Et coucou tout le monde, je vous retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Animal Crossing Happy Home Designer en compagnie de Lou, notre célèbre employé, je sais pas trop comment l'appeler. Du coup aujourd'hui, voilà, comme le titre vous l'a indiqué, on va créer une maison jungle. Donc il me semble quand même l'avoir déjà fait, mais sur ma partie perso, pardon. Ce qui fait que là en vidéo, on n'a pas encore eu ce petit concept. Voilà, donc maintenant, vu que vous avez l'écran du bas, ce sera tout de suite plus agréable de regarder ce genre de let's play. Vu que comme il ne se passe pas grand-chose en haut, ben voilà, vous verrez maintenant tous mes meubles. Voilà! Je suis trop contente. Donc, la jungle. Faudrait en fait trouver un truc assez. Je sais pas trop où la mettre en fait. Je sais pas trop. Faut pas trop d'eau. Je me rabattre là-dessus ou. Ouais, bon, bah vas-y, j'ai pas trop le choix. Hein. Alors, le plan de sol. Le plan de sol. Je sais plus ce que j'ai fait l'autre fois, donc. Je vais faire ça ici comme ça, hein, c'est pas grave. Allez! C'est parti! Alors voilà mon nouveau terrain, oui. Donc, la voix de la jungle. Voilà. Tarzan est de retour. Alors, vous voyez du coup les petits trucs qu'elle m'a concoctés. Alors, bananier, dragonnier. Ok. En fait, y a pas grand-chose de nouveau vu que j'avais déjà débloqué pas mal de trucs. Voilà. Profitez de l'écran du bas, les amis. Donc, un truc jungle. Qu'est-ce que je pourrais mettre en truc jungle, moi? Peut-être une petite chaumière. Je sais pas du tout. Moi, je verrais plus un truc comme ça, ouais. Allez. Ça fait un peu. Ça me rappelle les cases un peu dans Kirikou. Un truc aucun rapport. Bon. Ensuite. Je sais pas trop. On va mettre du bois ou. Comment on pourrait faire ça? Comme ça fait peut-être un peu trop foncé, remarque. Oh, je vais mettre comme ça, je vais voir après ce que ça donne. Hein. Puis je vais mettre ça comme ça. Ouais, c'est pas mal. Allez. D'ailleurs, oui, la paille, je sais pas, il y aurait peut-être. Comme ça, c'est peut-être plus agréable. Et puis du coup, clôture, on va mettre. Bon, on va mettre ça comme ça, hein, de toute façon. Ok, super. C'est parti. Alors, là, dans les tapis que j'ai, est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait aller pour la jungle? Alors là, j'en ai aucune idée, mais vraiment aucune. Ça là. Non, ça fait pas. Ça fait plutôt délabré. Et pourtant, j'en ai pas mal des tapis, mais. Non, il n'y en a pas un seul qui m'inspire en fait. Ah bah je remercie, tiens. C'est en train de tondre le gazon. J'espère que vous entendez pas trop. Bon, eh ben qu'est-ce que je vais faire là? Je vais mettre. Là, je crois que je vais plus qu'à me rabattre là-dessus. Je vais tester juste. Hein. Oh là là. Bon, ça va servir pour la terrasse. C'est pas grave. C'est pas grave. On va mettre une terrasse. Puis je vais faire autrement, tiens. Je vais même pas mettre le. Voilà, je vais mettre la maison comme ça. Ici. Hop là, comme ça. Alors, comment je pourrais. Ah bah tenez, je peux même mettre le chemin. Ah ouais. Je peux arriver à faire un truc. Merci les voisins. C'est très agréable, comme toujours. Ah, ils choisissent toujours le meilleur moment pour faire leur truc. Ok, donc. Les buissons. Je vais mettre. Je vais mettre un truc tout simple, hein, parce que j'ai pas envie de trop surcharger non plus. Ok. Voilà, comme j'aime faire ce genre de petite allée. C'est ma signature. On va faire ça comme ça. On va mettre. Non, on fait ça là. Je voulais pas dupliquer le tapis! Non! S'il vous plaît, non! Voilà. Ok. Ça m'a l'air d'être pas mal. Alors là, on duplique à fond, hein. Comment je pourrais.
Ah, il y a un petit souci là. Alors, attendez, je vais voir ça après. Non, je vais faire comme ça. Oh, arrêtez de tondre, s'il vous plaît, crotte alors. Ça m'empêche de tourner. Oh, je garde ça au montage, hein, c'est pas très grave. Alors, la jungle, logiquement, dans la jungle. Bon, je vais mettre un bananier, hein, vu que j'ai pas trop de choix. Qu'est-ce qu'on peut. Il n'y a pas vraiment de sapin. Je vais mettre. En fait, faut un peu de tout, je pense, dans la jungle. Je vais voir un peu, attendez. Je vais voir ce que j'ai. Oh, j'ai une idée grandiose, attendez. Je vais voir comment ça rend le l'arbre normal. Ça peut passer aussi, hein. Alors, je vais faire ça comme ça. Je vais mettre un truc comme ça. Ok. Jusque-là, ça me plaît. Après, on va mettre. Alors. Mais c'est pas possible, ils vont faire du boucan jusqu'à quand? J'espère que ça vous dérange pas, enfin qu'on m'entend quand même parler, parce que je comprendrais que ça saoule, mais je peux pas tourner à un autre moment, en fait, pardon. Je parle pas la France. Donc je suis obligée de tourner maintenant, ce qui fait que je suis obligée de me les farcir. Mais je pense quand même que vous entendrez pas mal. Je suis désolée. Je vais mettre. Parce que ça, je sais pas trop. Ça peut peut-être le faire, hein. On va dire que oui. J'essaie de mettre de la plantation. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Dans la jungle, s'il vous plaît. Bah forcément. Il y a peut-être des flambeaux. Je peux peut-être, ouais. Je peux faire un genre comme ça. Ouais, ça peut être sympa. J'aime bien moi ces trucs-là. Ou alors je mets celui-là, je sais pas. Ouais, peut-être celui-là. Je préfère celui-là, moi. Je préfère largement celui-là. Ça me rappelle un peu Harry Potter. Enfin, bon, bref. Passons les détails. Dans la jungle. Qu'est-ce qu'on peut. Oh là, je sèche là. Aidez-moi, s'il vous plaît. Je pense que je vais pas avoir le choix. Je vais devoir faire un petit truc de camp. Hein. Je sais pas du tout. Je pense que je vais être forcée de faire ça. Comment faire? Comment faire? C'est un petit peu handicapant là. Comment j'organise ce truc? De toute façon, je peux même pas passer en fait là. Je peux passer nulle part. Hein. De toute façon, j'ai envie de dire oui, après on peut mettre ça comme ça, mais c'est plus emmerdant, quoi. Comment arranger ce truc? Ah, vous voyez la galère en direct, hein. C'est pas du tout pratique. Bon, là, en même temps, vous voyez le plan, comment c'est foutu maintenant. J'avais pas trop eu l'occasion de vous le montrer avant, mais vous voyez un peu que c'est. Bon, il y a quand même pas mal de possibilités, hein, mais c'est quand même assez chaud, quoi. Je sais pas trop comment organiser, là. Bon, au final, je vais laisser comme ça. On va pas. C'est pas bien grave, de toute façon. Donc, on va laisser comme ça. Et après, je vais mettre. Alors, attendez. Palissade de fagot. Bon, je sais pas, ouais. Je vais voir. Qu'est-ce que ça rend? Ça peut être sympa. Ah, oui! Oui, ça fait. En fait, là, dans ce contexte-là, ça fait pas trop Japon. Ça fait bien. Ça fait jungle, en fait. Je trouve, enfin, après, c'est mon avis. Moi, je trouve que ça fait jungle. Ok. Après, j'ai plus grand-chose en rapport avec la jungle. Botte de blé. Qu'est-ce que je peux rajouter là? J'en sais rien du tout. Mais alors, rien du tout. Les rochers, j'aime toujours en mettre, mais là, je sais pas trop ce que ça va rendre. Ça va pas être terrible. Enfin, quoique, je peux en mettre un seul. Ok, je vais en mettre un seul. Et là, je vais rajouter quand même un minimum de vitalité. Donc, je vais mettre peut-être un sac de couchage. Attendez. Comment ça va? Oh, c'est pas mal. Allez, on va sur ça.
puis du coup, je vais mettre mon petit bananier. Ah oui, ok. Je peux pas le mettre. Bon, c'est pas très grave. Je vais en mettre un là-bas. Ok, voilà. C'est bien ça. Puis du coup, maintenant, j'ai juste à remplir avec des fleurs. Parce que oui, même si c'est la jungle, il y a des fleurs, faut pas croire. Par contre, quelle fleur? Là, c'est la bonne question. Ah, mais oui, je suis con, j'aurais même pu mettre ça. Alors, je vais mettre un peu partout. Vu que la jungle, c'est un petit peu délabré. Voilà, je vais mettre ça comme ça là. Je vais en mettre une quand même vers. Bah, par ici, c'est bien. Et je vais en mettre 2-3 sur. Sur les dalles. Ok, je vais en mettre une là et une autre, une petite dernière ici. Enfin, remarque, on le voit pas vraiment. Je sais pas à quoi ça sert, mais bon. C'est pas très grave. Au moins, j'en ai mis une. Ok. Donc maintenant, les fleurs et après, on passe à l'intérieur. Alors, les fleurs, les fleurs, les fleurs. Les fleurs. Là, c'est. C'est chaud parce que je sais pas trop. Je sais pas trop quel style de fleurs en fait on trouve dans la jungle, excusez-moi. Hein. On va faire au feeling. Hein. Je vais mettre du jaune. Voilà. Je trouve que ça fait ressortir la maison. On va mettre du jaune. Ok. Et puis du coup là-bas, non, je vais peut-être pas en remettre. Je vais mettre, ouais, pensée orange, tiens. Voilà, parfait. On va faire ça. Et je vais mélanger avec du jaune, bah voilà, comme ça on sait. Super. On va faire ça comme ça. Toi, on te met là. Et la dernière pour la route. Et non, pas de buisson, pas de buisson, pas de buisson. Merci. Voilà. Je veux pas dupliquer mon perso, non. Voilà. Oh bah ça me plaît au final, c'est pas trop trop mal. Ça va, hein. J'ai déjà fait plus moche. Ah. Alors. Ok, il n'y a que des plantes évidemment. J'ai pas de mur, je crois que je l'avais déjà. Je vais quand même vérifier. Alors voilà, donc je vais un peu vous montrer tout ce que j'ai débloqué. Hein. J'ai quand même pas mal de choses. Donc voilà, je navigue vite fait juste pour vous montrer. Faites pause hein, si jamais vous voulez voir en détail. Voilà. Oui, ça se finit, voilà, enfin. Donc, pour ce qui est de la jungle, alors je sais pas, le truc en bambou, ça rendrait bien aussi, mais je vais mettre plutôt le mur jungle, vu que voilà, c'est jungle. Je vais faire ça comme ça. Le sol, par contre, je sais pas trop, hein. Je sais qu'il y a le sol jungle, mais j'ai peur que ça fasse un peu trop quand même. J'ai peur, j'ai peur. Bon, remarque, les autres, ils vont pas avec. Je suis un peu forcée, en fait. Quand tu mets ce mur-là, t'es un peu forcée de mettre ce sol. Enfin, ce mur, ce sol. Je vais mettre des stores en bois. Ça rappelle un peu les arbres. Ah ben voilà, c'est ça que j'aime. Ambiance jungle. Ouais! J'adore! Donc là, vous entendez mieux, logiquement, puisque le son est en haute définition. C'est super, j'adore ça. Oh, je kiffe. Alors, les lits. Les lits. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Je suis même pas sûre de mettre un lit. Je vais déjà voir pour les tables, remarque. Autant tous les macaques, là. Je vais mettre... Ah bah... Une table de pique-nique. Bah non, dans la jungle, forcément, t'as pas forcément de truc. Non, ah ouais, une table comme ça, j'aime bien. J'aime assez. Je vais mettre comme ça, je préfère. Ok, alors je vais faire. Je sais pas trop comment je vais m'organiser, mais bon. On va faire ça comme ça. Après, il faut bien que les gens quand même y s'assoient. Donc on va faire. Je crois que j'avais des petits tabourets de Blanche-Neige. Non, je suis plus sûre. Non, apparemment non. Bon, ok. Je confonds toutes mes parties. Qu'est-ce que je pourrais mettre en fait pour la jungle? J'en sais rien du tout. Mais c'est chaud. Bon, alors déjà, moi je kiffe ce truc, hein. C'est obligé que je le mette. Voilà, ça c'est clair et net. C'est pas parce qu'on est dans la jungle qu'il faut pas être à l'aise.
En fait, je sélectionne mes trucs et après je les place, quoi. C'est ça ma technique. Je suis même pas obligée, en fait, de mettre des sièges ou quoi, hein. Je suis même pas obligée. Je pense que je vais me rabattre sur la table de pique-nique. Parce que là, ouais, je vois pas trop, en fait, ce que je pourrais mettre. Alors, qu'est-ce que j'ai là-dedans? Un truc qui pourrait aller. Paravent lierre, ouais. Qu'est-ce que ça rend déjà ce truc? Attendez. Est-ce que si j'en mets plusieurs à côté? Non, ça fait pas. Oh, je peux le modifier! Je ne savais pas. Oh, j'adore! Mais je kiffe! En marron foncé, ça va être top! Ah ouais, j'adore! Oh là là! Ça ne peut pas la retoucher par contre. Ok. Ah, mais j'aime bien en foncé, c'est pas mal. Et après, j'ai quoi là-dedans? Les valises, non, ça va pas être nécessaire. Ok, bon. Après, attends, moi, j'ai rien ici. En fait, je crois que ça va plus se jouer sur les trucs extérieurs. Ou... Alors là-dedans. Hop. En fait, dans la jungle, t'as pas forcément beaucoup de choses. Ça, je suis pas sûre que ça. Bon, ça va peut-être pas être terrible. Parce que peut-être si j'enlève. C'est trop moche, sérieux. C'est hideux ce que je fais. Là-dedans. Oui, j'ai pas mal de choses. Je vais peut-être me rabattre là-dessus. Hein. Ah, bah oui, mais tiens, on va rappeler les pensées de dehors. D'ailleurs, je crois, oui, on peut changer les couleurs, donc c'est pas mal. Jaune, rouge ou blanc. Je vais mettre un peu de blanc, parce que ça manque cruellement de blanc. Et du coup, bah, je vais faire, en fait, ouais, je vais mettre toute la collection. Je crois que j'ai pas trop le choix, hein. Je regarde un peu ce que j'ai, parce qu'entre-temps, moi, je zappe. Ok, ah bah oui, c'est vrai, j'avais eu... Ouais, regardez-moi ça un peu. Le calèche de princesse, quoi. J'ai eu ça, je crois, c'était le... Vous savez, les concours, là, que Tom nous kiffait, et puis j'avais eu ce truc aussi. C'est une petite attraction, voilà. On se croirait à Disneyland, c'est génial. Ok, bon. Revenons à nos moutons. J'avais vu un truc, là, donc je vais prendre... Peut-être la table germe, on va dire, à la place de ce truc-là, là. Voilà. En fait, non, ça va pas être la pièce Winnie l'ourson, hein. Rien à voir. Je vais faire ça un peu plus sauvage, même si là ça paraît plus mignon qu'autre chose. Ok. Bon, je pense que. Ah ouais, bah l'ananas. Ah ouais, j'hésite là. J'hésite un petit peu. Bon, allez, je vais changer, je vais mettre le lit ananas pour une fois. Allez, soyons dingues. Je vais mettre le lit ananas. Ok. Maintenant, moi j'aimerais bien retrouver les plantes là que j'avais mis. Voilà ça. Ça, mais j'adore ça. Ça me met direct dans l'ambiance de la jungle en fait. Je sais pas vous, hein. Ok, je vais mettre en mauve. Et après, je mets en rose. En rouge plutôt. Ah oui, du coup, il faut que je mette le bleu au milieu, sinon ça fait moche. Ok, voilà. Ah merde, j'ai pas assez de place. On va faire ça comme ça. Plutôt mettre ça là-bas. Ou plutôt ça, je sais pas. Oh, c'est chaud patate, hein. Bon, on va faire ça là comme ça. Comment on va s'arranger maintenant? En plus, les bruits derrière, ils me stressent de malade. Bon, je vais faire là comme ça. Ah, ce truc-là, je l'aime bien. Ce truc-là, je l'aime bien. La nourriture, parce qu'il faut quand même penser à la bouffe, hein. Jus de noix de coco. Ah, ouais. Bon, je vais mettre au milieu. Je vais mettre une petite table de chevet tout à l'heure. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Il n'y a pas genre un petit sanglier ou je sais pas. Un poisson sur planche. Ouais. Bah, pastèque. Je pense qu'on peut. Bon, je mets de la merde. De toute façon, on n'est plus à ça près avec moi. Oh, bah voilà ce que.
Bah ça, c'est pas mal. Des petits champignons. Mais c'est kiffant, ça. Ouais, j'aime bien. Voilà, je vais mettre un peu... Voilà, comme ça, on va mettre que cela. Ok, donc là, on arrive direct. Ok. Bon, alors, je vais mettre un petit panier de fruits. Donc là, je vais mettre la petite table de chevet là. Donc, il faut que je trouve une petite table de chevet. Mais je verrai ça après. Qu'est-ce que j'ai là-dedans, les trucs professionnels, là? Est-ce qu'il y a un truc qui pourrait convenir ou pas? Je pense pas. Non. Nous sommes d'accord que c'est totalement inutile ce coin-là. Ici, je pense aussi. Ouais. Les instruments, on n'en parle pas, c'est inutile. Après là. Là, je sais pas. Ça peut peut-être me quelque chose, ces petits trucs, non? C'est trop moche. Bon, après, il n'y a que des ballons. Donc, en fait, ce coin-là, il est un peu... C'est le truc qui sert à rien, quoi. Ouf, comment je pourrais faire? Alors, Ibashi. Ça peut être sympa. Ça peut. Je mets franchement, pour le moment, je mets des trucs au pif parce que je suis pas vraiment inspirée. Mais je pense que ça se voit de toute façon. Alors une table, on va mettre ça, je crois que j'ai pas trop le choix. Ouais. Non, attendez. Attendez. Pourquoi je me prends le chou à mettre une table super moche alors que j'ai des trucs super mignons là-bas? Non mais où va le monde? Je pourrais très bien mettre ouais, soit un truc pastèque ou. J'ai même ça là. Pour le moment, j'hésite en fait dans les tables. Je vais peut-être mettre le kiwi. On va mettre un peu tous les fruits, hein. Ah ouais, on peut pas poser dessus, d'accord, merci. Ah ouais, j'ai pris le tabouret aussi, je suis con. Je suis débile. Ah dommage, y a pas de truc kiwi. Bon, c'est pas grave. Voilà, on va pas refaire ma mijaurdie, hein. Ok, bah ça, on peut pas le mettre non plus, donc ça va rester là-bas. Ok, donc. Voyons un petit peu. Alors, je vais commencer déjà à mettre les trucs. Oh, j'adore! Oh, mais c'est trop beau ça! Mais c'est trop bien! Comment j'adore! Franchement, je kiffe. J'ai pas de mots là, je kiffe. Ok, bon bah j'ai un nouveau truc. Je pensais avoir tout débloqué au niveau des plantes murales, mais apparemment pas. Alors c'est pas ça que je voulais, c'était là-dedans. Voilà, ça. Ça, c'est mon truc typique pour la jungle. Je fais pas de jungle sans ce truc. Ça fait bien... Bien délabré, enfin je sais pas trop comment dire. Bien végétal. Ah. C'est pas simple là, de déplacer les trucs. Alors, est-ce qu'on le voit au moins? Oui, bon, ça passe. Faut quand même qu'on arrive à voir quelque chose depuis le fond de. Ok, ça ira. Du coup, faut juste que je trouve quelque chose en fait pour le. Comment? Je trouve plus mes mots. Oh, faut aller dormir, mamie. Je vais peut-être mettre de la bouffe, je sais pas. Je vois que ça, moi. Je vois pas trop ce que je pourrais mettre d'autre. Parce qu'après, ouais, il y avait le poisson. Peut-être le poisson, ouais. Ah, je peux le retoucher. Carpe. Oh ouais! Oh ouais! Je savais pas! Oh, je vais mettre le vivano, je kiffe. C'est trop beau. Allez. Et puis du coup, je vais voir ce qu'il y a dans les petits bibelots là. Parce que c'est pas parce que tu es dans la jungle, encore une fois, que tu es obligé d'être un culte. Tu peux très bien avoir tes bouquins ou quoi. Donc, comme je kiffe mettre cette petite pile de bouquins, je sais plus ce qu'il y a par contre. Oriental, bande dessinée. Oriental, je vais se faire kiffer. Hein. Voilà. Et puis il manque un truc là-bas. Oh bah, cage à oiseaux. On est dans la jungle, mais on emprisonne les oiseaux. Bien sûr.
là là. Après, qu'est-ce que je peux mettre? J'en sais rien du tout. Corbeille ordinaire. Bah ouais, vas-y. Fais-toi un petit kiff. Je renifle beaucoup, je sais. C'est pénible. on va mettre, bah tiens, une malle. Alors, je sais pas. Non, je vais peut-être pas mettre la malle. Je vais mettre le petit sac là que j'aime bien. Donc, le petit sac que j'aime bien, c'est ça. Voilà. Et je le retouche pas parce que je le kiffe de cette couleur, en fait. Et puis après, bah, je vais mettre. Non, en fait, c'est pas trop. Oh, c'est pénible, c'est pénible. Je vais pas m'en sortir. Poêle à charbon. On va opter pour un canapé, hein. J'ai pas trop d'options. Un bon canapé, rien de meilleur. Alors, les canapés. Les canapés. Alors que je me refasse un peu là, en mémoire là, les films de Tarzan. Méridienne. Rose, ocre. Ouais. Je suis pas trop convaincue pour l'instant. L'impression que c'est la suite du lit, quoi. C'est kiffant. Je vais te séparer par la petite corbeille. Si je fais ça. Ça rend quelque chose. Voilà. Je sais pas quoi. Mais ça rend quelque chose. Puis du coup, bah, le sac, je peux le mettre là-bas. Voilà. Je pense que je dois avoir ma petite. Ouais, je dois avoir ma petite truc. Voilà, juste rajouter des plantes. Donc la vidéo est plus longue, forcément. Un dragonnier, ça, j'avais mis ça dans la, ouais, dans la maison de Tarzan. Je m'en souviens. D'ailleurs, je kiffe assez, donc je vais peut-être en remettre un. Non, je voulais pas remettre ça en fait. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis le poisson au lieu du truc. Mais non, non, non. Je ne suis pas d'accord. Et en plus, je dois le retoucher. Non. Je vais y arriver. Je veux ça, là. Voilà. Merci. Donc, c'est cette plante-là que j'avais rajoutée. Alors, je regarde. Hein, normalement, oui, j'ai tout. C'est bon. Ok. Bon, jusque-là, tout va bien. Pas de problème. Ouais, bah, je pense que ça ira. Je peux même en rajouter encore un là-bas. Vu que je le kiffe tellement que je vais le mettre partout. Ouais. Et puis du coup, il nous manque juste deux, trois petits détails. L'ampoulière. Non, plante suspendue. Je vais mettre plante suspendue pour l'instant. Je vais mettre là. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi on voulait retoucher. Oh, bleu marine. Oh, c'est beau. C'est beau, c'est beau. Alors oui, vu que la jungle s'est chargée, bah, autant charger à fond. Hein. Et puis du coup, bah, en lumière, bah, je vais mettre la l'ampoulière, quoi. Pas trop trop de choix. Voilà. Oh, et bah ça va, on est quand même dans l'ambiance, hein. Ok. Bon, et bien du coup, cette maison se termine ici. Voilà, j'ai fait la petite maison jungle de Calypso. Je vais vous laisser du coup avec la petite cinématique de fin comme à mon habitude. Et voilà, j'espère que les deux écrans vous plairont, hein, comme voilà. Maintenant, comme c'est, on va dire, on entame un nouveau style de let's play, ben. Je demande à chaque épisode de séries différentes. Donc je redemanderai pour Tomodachi et tout ça, hein, parce que je sais qu'il y a des personnes en fait qui suivent certaines vidéos et pas d'autres. C'est pour ça que je préfère en parler dans chaque premier épisode d'une série et non pas voilà, dans seulement une vidéo. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine!
tu as aimé la vidéo. Tu peux retrouver toutes les autres en t'abonnant à ma chaîne YouTube. Tu peux aussi suivre mon actualité en me suivant sur les réseaux sociaux. À bientôt. Ah, ne clique pas sur les boutons. C'est son défaut.